Je vous remercie pour votre présence ce soir, une assistance, je crois, de plus en plus nombreuse à cette cérémonie de vœux, illustrant nos besoins de nous retrouver, notre envie de travailler ensemble. L'année 2017 sera celle de la matérialisation d'un très grand nombre de projets. Notre équipe municipale est en place depuis 3 ans, comme sur le plan intercommunal. Une première année pour prioriser nos actions, une deuxième pour lancer les études, chercher les financements, la troisième pour officialiser les appels d'offres et maintenant le début des travaux lourds portés souvent par l'agglomération. Je voulais remercier les conseillers communautaires pour que cette cité et nos territoires bougent, que cette cité soit plus belle pour ses habitants et plus attractive en 2017. 2017 verra le démarrage de multiples chantiers sur l'agglomération pour 30 millions d'euros d'investissement. Des investissements rendus possibles par un partenariat très fort, et je voudrais vraiment le souligner dans un moment où les financements sont compliqués, nous nous illustrons par un taux de financement beaucoup plus important qu'ailleurs, beaucoup, beaucoup plus important qu'ailleurs. C'est la raison pour laquelle on fait tout ça sans augmenter les impôts, voire même en les diminuant. Je voulais remercier les services de l'État, Madame la Préfète, nos relations sont excellentes. L'avenir de nos territoires, c'est aussi et surtout le travail, et le travail, c'est celui que nous pouvons donner à nos entreprises. Je voulais vous confirmer ce soir l'arrivée, évidemment, d'une nouvelle installation à Velaines. Le maire de Velaines a grillé l'information, mais c'était très bien, c'était normal dans sa commune. Je voulais excuser d'ailleurs ce soir pour des raisons de santé, il n'est pas présent. Il s'agit d'une plateforme de maintenance outillage à froid pour les turbo-alternateurs qui équipe les centrales nucléaires et qui sera le centre national d'outillage pour EDF. Avec cette arrivée, notre territoire va disposer d'un pôle d'excellence en matière nucléaire qui a vocation à devenir un cluster, c'est-à-dire un pôle de compétitivité à l'échelle nationale. Ce territoire se dote ainsi d'une vision à long terme. Cette nouvelle implantation est synonyme d'un investissement entre 10 et 15 millions d'euros pour la construction d'un nouveau bâtiment, lieu de maintenance et de réparation de pièces qui fera appel à beaucoup de sous-traitances locales, de chaudronneries mécaniques, à travers un périmètre de commande qui est en train d'être déterminé. Ce projet n'est pas le fruit du hasard, il est celui d'une mobilisation collective, mais il est aussi la capacité de notre territoire à se mobiliser très rapidement. Notre territoire était en compétition avec d'autres sur le plan national pour accueillir cette plateforme. Et il y a encore une heure, Arnaud Merveille est notre directeur général. Nous étions en discussion avec la direction nationale d'EDF qui vérifiait que tous les points étaient OK. Sur le plan technique, les contributions financières, faire en sorte de lancer le top départ, échange de terrain, et je remercie vraiment les élus de la communauté d'agglomération. En quelques semaines, nos services élus, en lien avec le département, ont été capables de répondre à ces besoins d'un groupe national majeur. C'est le résultat d'un savoir-faire en lien fort avec notre département. Je tiens à remercier publiquement Bruno Offredet, directeur du développement économique Meuse-Haute-Marne, pour son accompagnement et son action sur ce dossier. Je formule le vœu qu'on puisse encore allonger l'âge de départ en retraite pour qu'il reste encore plus longtemps chez nous. Enfin, l'avenir de nos territoires, c'est également s'appuyer sur notre tradition industrielle et sur notre patrimoine. Je pense notamment à l'ensemble urbain Renaissance, unique en France, et l'habitat de la vallée de l'Ornain et de la Sault. Un territoire où se rencontrent la tradition et le futur qui se construit à travers des projets qui forgent notre identité. Ce soir, je suis en mesure de vous annoncer le lancement d'une étude avant la fin du premier semestre 2017 sur la préfiguration d'un centre de vulgarisation et de transfert de la nouvelle culture scientifique en France, vous avez bien entendu, dans l'ancien collège Gilles de Trèves, qui incarne ce qu'est la tradition culturelle à la Renaissance dans notre pays. Le président des universités de Lorraine, spécialisé dans ce domaine au plan national, l'ANDRA, dont c'est une des missions, le rectorat de notre académie, mais aussi le département et la région Grand Est nous ont fait part de leur très vif intérêt pour travailler ensemble sur ce sujet.
L'enjeu principal est de nous intéresser aux grandes évolutions scientifiques et de nous interroger sur leurs perspectives d'évolution dans l'esprit des humanistes de la Renaissance, c'est-à-dire le croisement entre toutes les sciences, notamment sciences sociales, et les nouveaux liens à construire avec des citoyens de plus en plus acteurs d'un nouveau monde à reconstruire dans cette situation où chacun s'interroge sur les conditions d'évolution de notre société. Nos concitoyens attendent de nous beaucoup, parfois beaucoup trop. Continuons à donner le meilleur de nous-mêmes. Belle et bonne année 2017. Merci. Anytime and a place, and I'll meet you there. Blow back.